le mont Ousse s'est brutalement réveillé en 2000. Au sud de Sapporo, notre voyage nous emmène à la découverte des sources d'eau chaude de Nobolibets, en survolant le lac Toya. Au sud-ouest de l'île s'élève le mont Yotei. Le mont Ousse, situé sur les bords du lac Toya, est entré récemment en éruption. En sommeil depuis 23 ans, le mont Ousse s'est brutalement réveillé en 2000. La colonne de fumée qui s'échappait du cratère était visible depuis Sapporo, à plusieurs dizaines de kilomètres. Les villages voisins ont rapidement été évacués, mais les dégâts causés par les tremblements de terre successifs ont été très importants. De nombreux bâtiments ont été endommagés par l'ouverture de fissures et les chutes de pierres volcaniques. Certains lieux touchés ont été conservés pour témoigner de la puissance de l'éruption.